acclamons le roi. Amen. Nous sommes dans le livre de Ruth 3, du premier verset au troisième verset. La Bible dit: Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Lave-toi et oins-toi. Sokola pe pakola mafuta. C'est un message qui parle de sanctification et de puissance, un équilibre important. Et c'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth. Ruth qui est devenue la patriarche de Jésus-Christ. Car dans la lignée de Jésus-Christ, on parle de Ruth. Une Moabite. Qui est sortie de l'inceste entre Lot et ses enfants. Une nation maudite. Qui ne pouvait recevoir la bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour à Bethléem eut la famine. Et des Bethlémites décidèrent de quitter la maison de pain pour se rendre à Moab, le lieu de malédiction. Et Elimelech va voyager avec son épouse. Naomi. Et lorsqu'ils vont à Moab, leurs deux garçons épousent des filles moabites, Orpa et Ruth. Et la malédiction tombe sur la famille d'Elimelech et la famille de Naomi. De sorte que Elimelech meurt. Et ses deux enfants aussi meurent. Ainsi Naomi demeure veuve. Naomi a commis veuve avec des belles filles qui sont aussi veuves. Et voilà qu'un jour elle apprend que Dieu a visité la maison du pain Bethléem. Et il fallait qu'elle puisse retourner toute seule. Et elle dit à ses deux belles filles: restez. Car je suis vieille et je n'ai point de progéniture à vous donner. Orpa s'en va. Car elle n'avait pas de vision et elle n'était pas affectée par le Dieu de Naomi. Mais Ruth demeure. Et elle rentre avec sa belle-mère. Elle rentre bredouille sans un mari. Une veuve qui suit une veuve. Des fois, bien-aimé, Dieu te bénira au travers d'une personne qui a le même problème que toi, mais qui n'a pas le même Dieu, la même dimension que toi. Car des fois, tu peux dire: qu'est-ce que ce Congolais peut me donner? Oui, c'est un Congolais comme toi. Ruth est une veuve. Naomi aussi est une veuve. Mais il y a une différence, c'est que Ruth ne connaît pas Boaz, mais Naomi connaît Boaz. Et Boaz est capable de transformer la vie de Ruth. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la Bible nous dit que Naomi donne une stratégie. Une stratégie à Ruth.
Dans la vie, bien-aimé, la bénédiction vient aussi lorsque tu apprends à écouter. Les gens qui ont des grandes oreilles ont des grandes vies. Car si tu n'écoutes pas Naomi, bien-aimé, c'est Naomi qui maîtrise Boaz. Toi, tu ne maîtrises pas Boaz. Des fois, tu es trop intelligent devant Naomi alors que tu ne maîtrises pas comment est-ce que fonctionne le chant de Boaz. Et il lui dit ceci: lave-toi Sokola. Et oint-toi. Pakola mafuta. Elle n'a pas dit oint-toi. Alaba ki te, pakola mafuta. Et lave-toi. Si ma vie sokola, car l'eau précède toujours l'huile. Si tu cherches l'huile avant l'eau, ça va te faire une pâte de saleté. Et l'huile ne sera plus l'huile, ce sera la saleté. Car l'huile devient l'huile seulement lorsque l'huile est précédée de l'eau. Mais ce que nous qui m'a foutu un moto sokola, et que ça porte pour ton cantinaio. Et même ma foutu à ce que y'a l'iboso ya maï, et que ça y'a salité. Et même nous, naturellement, avant que tu puisses te mettre de l'huile Nivea et tout le reste, tu te laves d'abord. C'est ta collaboration avec l'eau et le savon qui permet à ce que l'huile puisse travailler. Et c'est ta collaboration avec la sanctification qui permet à ce que l'onction puisse venir. Si tu refuses la sanctification, l'onction ne viendra pas. Parce que même si l'onction vient malgré que tu pêches, ce sera une mauvaise onction qui va attirer les mouches et t'attirer des problèmes. Et on dira Ozolumba, alors que au pakoli ma futa sokyo lukie pakola mi amoto sukwama e komene pakomi ya salite komelo banzinzi pe bakoyoka yo solo bakola ozolumba mo pakoli ma futa dis ça ton voisin ozolumba mo pakoli ma futa yem c'est bien ozolumba mo pakoli ma futa ozolumba mo pakoli ma futa pos boyko sokola. C'est ça le problème du Congo. Les gens aiment l'onction, mais ils n'aiment pas la sainteté. Ils aiment l'onction, mais ils n'aiment pas la repentance. Ils aiment les têtes qui t'aiment, mais ils n'aiment pas entendre « Repends-toi car le royaume de Dieu est proche. » Dieu n'a que faire d'un homme qui aime l'onction s'il n'aime pas la sainteté. Car avant de donner l'huile, il faut préparer le vase. Et si tu n'as pas le vase, même si on te donne l'huile, on ne t'a pas donné l'huile, on a jeté l'huile. Car l'huile est importante lorsque le vase est préparé. Et c'est seulement la sanctification qui prépare le vase. Kakakobulisama, neko prepare nkeni, oeko yamba et pakwami. Pourquoi les enfants n'aiment pas se laver? Parce que laver demande beaucoup de problèmes. Il faut enlever les habits. Deux, tu dois accepter le changement de température si chez vous il n'y a pas l'eau chaude. Ce sont les choses qui nous amènent à ne pas aimer nous laver. Car lorsque tu portes tes vêtements, tu es confortable. Commence à ouvrir les lacets. Enlever les chaussettes. C'est fatigant. C'est pourquoi il y a des gens qui pendant la saison sèche ne se lavent pas. Et il y a des gens qui ne se répandent pas. Pourquoi? Vous aimez le confort, vous n'aimez pas le changement. Ça fait des années que tu vis avec un mari d'autrui, t'as acheté une voiture, une maison, alors on te dit maintenant de te laver, tu dis maintenant comment je vais faire pour payer la maison. Quelle maison tu vas payer? Tu n'as pas de maison, tu dois rentrer chez vous, tu dois enlever les chaussettes, enlever la culotte. Mais mais tu aimes, touch, alléluia. Je n'ai pas de prière à faire sur une personne qui refuse de se laver. Est-ce que tu veux que je te lave avec ta veste? Alléluia. Vous voulez qu'on puisse vous jeter dans l'eau avec vos vestes? Vous voulez que nous on puisse se repentir à votre place? Vous refusez de vous mettre en ordre, mais vous voulez que nous on monte en mangengenge, qu'on vous impose les mains? Est-ce qu'on peut laver quelqu'un en cravate? Non, 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 non. Qu'on fasse tout pour vous. C'est ça le problème. Il faut que tu acceptes de quitter ton confort. Car le péché des fois donne le confort. Le péché donne le confort. Quand tu es dans l'occultisme, les démons te donnent l'argent. Mais ce n'est pas parce que cet argent vient que Dieu t'a accepté. Il y a des gens ici, la repentance va vous dénuder.
afin que Dieu vous habille. Car des fois en Dieu, il faut perdre pour gagner, il faut mourir pour vivre. Alléluia. Vous devez accepter de vous dépouiller de ce que le diable vous a donné afin de recevoir la vraie bénédiction de Dieu. Mais si tu viens auprès de Dieu tout en étant comme un vase plein, Dieu ne remplit pas les vases pleins, il remplit les vases vides. Tu dois d'abord perdre pour gagner. Tu es en train de réussir à l'école en trichant. Ton diplôme n'est pas un diplôme, tu dois recommencer l'école. Quel témoignage tu vas nous donner ici? Je bénis Dieu, j'ai distingué. Ah. Un licencié qui ne sait même pas écrire une lettre. Ah bon? Un licencié qui dit là à la place de le, là à la place de l'est, tu dis que toi, tu as distingué. Diplôme na wa bongite. Alléluia. Osi ango na ko tricher. Une deuxième chose qui empêche les gens de se laver. Eloko mi balo pe ki saka bato ba sokola. C'est le changement de température. Ezali changement de température. La douche. Ça la fait tressaillir. Tango koti na mayo kolenga. L'eau froide fait tressaillir. Maya malile kolengi sa yo. Ça fait mal au corps. Eko sunga nzoto te. Parce que le corps est habitué à une certaine température et n'accepte pas le changement. Nzoto se mesana na lida lolenga moko be kondi ma changement te. Ce qui fait que l'homme sale a une paix. Parce qu'il a une température normale qui lui permet de dormir, mais il dort mal parce que les pores ne sont pas ouverts. Nzoto et sungami la température moko, mais ya yebite ke ba pona eza polelete. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu dois accepter de perdre la fausse joie pour avoir la vraie joie, la fausse paix pour avoir la vraie paix. Parce que la joie que tu as, c'est une fausse joie. Toi, tu as la joie quand tu écoutes la musique mondaine. Tu as la joie quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme. Toi, tu penses que tu as la joie. Tu as une mauvaise température et tes bouches et tes pores sont fermés. Il faut qu'on puisse te laver à l'eau très très froide, que tu puisses grelotter et puis tu pleures, mais après tu recevras l'huile. Ndima kobungu se sengo. La joie que tu as là, c'est une vraie joie. La vraie joie vient de la communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, ta joie est fausse. Et beaucoup d'entre vous, vous amenez des fausses joies à l'église comme si c'est le Saint-Esprit qui vous a rempli, alors que c'est une joie qui provient du péché. Il est temps que tu puisses être refroidi afin que tu entres dans la température normale. Une autre chose qu'on n'aime pas quand on se lave, c'est le savon. Parce que le savon dans les yeux fait mal. Et si tu as des plaies, si tu as des plaies, le savon par son acide va te faire mal. Alléluia. Tu viens devant Dieu et tu as des blessures, des rancunes, des gens à qui tu n'as pas pardonné, mais tu veux l'onction. Non, tu dois accepter que l'acide puisse nettoyer tes plaies. Tu dois accepter de pardonner. Je dis, tu dois accepter de pardonner. Je dis, tu dois accepter de pardonner. Donner l'onction à un rancunier, c'est lui donner une arme de destruction massive afin qu'il puisse tuer ses ennemis, car par l'onction, il peut déclarer que mon ennemi meurt et tu mourras. Un mari, il ne parle pas à sa femme et il demande l'onction. Une femme qui ne parle pas à son mari qui demande l'onction. Non, tu dois accepter que Dieu nettoie d'abord tes plaies. Et même tu viens à l'église ici, tu as des gens à qui tu ne parles pas. Tu as des blessures ici, mais tu demandes l'onction. Non, tu dois d'abord être nettoyé dans tes plaies avant de recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Lorsqu'elle s'est lavée et qu'elle s'est parfumée, Boaz l'a acceptée.
Boaz n'est pas n'importe qui. C'est un homme riche, très classe, très élégant, qui ne supporte pas des femmes qui sentent mauvais. Et pour ta destinée tellement élégante ne supporte pas des chrétiens qui sentent mauvais. Tu sens tellement le péché que ta destinée te fuit. Et tu ne fais que prier et jeûner. Le problème n'est pas le problème de la destinée. C'est toi qui es une femme sale que la destinée ne peut épouser. Car Boaz ne peut épouser une femme sale même si elle fait partie de la destinée. Boaz, ça va te pamba, ça va te la poursuivre. Alléluia. Des fois tu dis Dieu comment il ne me bénit pas. Mais parce que tu es une Ruth qui sent mauvais. Alors que tu as appelé à engendrer Jésus. Car Ruth a engendré Isaïe. Ruth a bota Isaïe. Isaïe a engendré David. Isaïe a bota David. David a engendré Salomon. Salomon a engendré Joseph. Salomon a voté Joseph. Joseph a adopté Jésus. Joseph a adopté Et c'est par Joseph que Jésus est appelé lion de la tribu de Juda, parce que Marie n'était pas de la tribu de Juda, mais elle était de la tribu de Lévi. Mais c'est par Joseph qu'elle était connectée au royaume de Juda. My God, I love it. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que tant que vous avez un conseil, il y a un conseil, Mais souvent, il y a un conseil qui est 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 un conseil. Tu vois, quand tu viens à l'église, Dieu te dit abandonne ton copain, abandonne-le. Pourquoi? Tu veux épouser un ministre. Mais Dieu ne te dit pas. Dieu ne te dit pas. Moi, je suis la ministre, je suis un copain. 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 Yo, Sokola, Kaka. Sokola, Kaka, Mafuta. Naomi te donne le conseil. Naomi a parce qu'elle connaît le Dieu d'Israël. Elle connaît le Dieu d'Israël. Elle sait que son Dieu est puissant. Mais toi, tu es une Moabite. Tu viens entrer dans les choses de l'Éternel. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Mais tu veux donner le conseil à une fille qui vient de Juda. Keba. Voici mes frères. C'est l'une des choses qu'il fait dans les églises. Que les gens font des retraites et des jeûnes. Ils ne voient pas la main de Dieu. Et ils ne voient pas l'onction de Dieu. La Bible dit ceci. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Toujours une corrélation entre l'huile et les habits ou la propreté. Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Les vêtements blancs, c'est la sanctification. La beauté des habits d'un chrétien, ce n'est pas Versace, ce n'est pas Yoji, Amamoto, c'est la sainteté que tu as. Alléluia. Amen. La beauté des vêtements d'un chrétien, ce n'est pas la marque ni la griffe que tu as, mais la beauté des vêtements d'un chrétien, c'est la marche dans la pureté, dans la sainteté. Si tu es ici, tu es le moins habillé que nous, mais si tu crains Dieu plus que nous, tu es le mieux habillé que nous. Car la beauté d'un chrétien, ce n'est pas la beauté des vêtements, mais c'est la beauté spirituelle, la sainteté. C'est pourquoi ne sois jamais complexé quand tu viens à l'église et tu n'es pas bien habillé. Il se peut que toi, tu es mieux habillé devant Dieu parce que toi, tu as porté une robe blanche qui n'a pas de tache. Qui t'a Christ dans les matins. Mais on a beau sentir, na étamboli beau sentir na yé, na c'est na moi. Attaque dans la bosse mingité. On l'a tibi là-bas qui t'a côté, mais sur étamboli na beau sentir, yé bah tu l'as tibi collé capisse. Amen. Et maintenant la Bible donne une précision qu'en tout temps. Bible petit c'était le Bible. Na tango nyoso. Qu'en tout temps. Na tango nyoso. Pas seulement le dimanche.
Parce que Jésus ne viendra pas dimanche. Moi, je lui donne un conseil à Jésus. Que l'enlèvement n'ait pas lieu dimanche, sinon il y aura des fausses personnes qui vont entre le ciel. Que l'enlèvement vienne samedi, le jour où les gens vont chez Temba, le jour où vous allez dans un club ou chez cela. Si tu te sanctifies seulement le jour du culte, tu n'as pas compris que la vie chrétienne ce n'est pas pendant deux heures du temps. Si tu te sanctifies seulement dimanche, sache qu'à cause du décalage horaire, tu feras toujours un péché, parce qu'il ne sera pas dimanche par toi à cause du décalage horaire, il sera toujours samedi quelque part. Si tu te sanctifies parce que Dieu a promis la bénédiction, le jour où il va te briser, tu vas abandonner. Je ne me sanctifie pas pour être béni. Je ne me sanctifie pas parce que j'ai des problèmes. Et je ne me sanctifie pas parce que Dieu m'a béni. Je me sanctifie parce que la sanctification, c'est la vie normale d'un chrétien, comme la respiration. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, est-ce que tes vêtements sont blancs? Maintenant là, est-ce que tes vêtements sont blancs? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Maintenant, n'ayez pas une sainteté d'église, une sainteté de séminaire, une sainteté de convention, parce que l'église n'aura pas de convention tous les jours, des séminaires tous les jours et des retraites tous les jours, et une sainteté qui ne dépend pas du pasteur, qui ne dépend de personne, mais qui dépend de ta communion et de ton amour pour Dieu. Convention, ton séminaire, tout pour pasteur, mon Dieu, il faut que nous ayons santu. Mais cela n'a pas santu. Et si tes vêtements sont blancs, cela fera que l'huile sera permanente sur ta tête. La tête. Celui qui parle l'Ecclésiaste, c'est le fils d'un berger. Car il est le fils de David, le roi. Mais avant que David ne soit roi, il était berger. Et en Israël, voici ce qu'on faisait. Lorsque les brebis étaient dérangées par des mouches, parce que les mouches aiment déranger les brebis et entrer dans leur nez, parce que leurs nez sont humides. Alors que faisaient les bergers? Ils mettaient l'huile sur leur tête. Et l'odeur de l'huile chassait les mouches. Et le diable et les démons sont des mouches. Car la Bible appelle le diable Belzéboul, prince de mouches. Toi qui es sorcier, voici le nom de ton maître, prince de mouches. Alors quand tu vas l'adorer, dis Mokonzi Abanzinzi. C'est pourquoi tout ce que le diable donne ne dure pas, parce qu'il n'est pas éternel. Alléluia. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et voici ce que Dieu fait dans ta vie. Il te pousse dans la sainteté. Et quand tu acceptes la sainteté, il te donne l'onction. Et quand il te donne l'onction, l'onction commence à chasser les démons. Alors si tu veux chasser les démons, ne cherche pas d'abord l'onction. Cherche la sainteté. La sainteté va attirer l'onction. Et l'onction va chasser les démons. Mais si tu veux chasser les démons dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, les démons ne partiront pas. Mais si tu cherches la sainteté, la sainteté va chercher la puissance, et la puissance va chercher les démons. Va chasser les démons. Et ce que j'aime dans l'onction, c'est que l'onction n'embellit pas que la peau, mais parfume aussi la peau. Parce que dans l'huile,
Il y a aussi le parfum. Et un parfum. Et voici les caractéristiques d'un parfum. Voyez le fait que je suis ici. Pendant que je transpire, mon parfum arrive là. Vous sentez ça, hein? Vous sentir en haut. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne suis pas là. Mais mon parfum est là. Parfum et lorsque tu as l'onction, ton onction peut toucher une nation, mais tu n'es pas dans cette nation. Ça peut toucher un village, tu n'es pas dans ce village. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque Jésus a mis son pied à Gadara, l'onction qui était sur lui a traversé Gadara est arrivé jusque dans les cimetières. Les démons commencent à s'enfuir. Ça, c'est l'odeur de celui qui nous a chassés du ciel. Nasi na yoka parfum moyo quelque part. Parce que yoka parfum moko spécial. Okoki ko reconnaître kolona ngwata o moniété. Si ko bandoka solo moko boye. Oza solo muta benga la bizona lola. Asiya di kotoyo. C'est pourquoi la Bible dit son dit es-tu venu nous perdre avant le temps pour ça ma solo toyoka ki tomba benga la biso. Henda rabashaya. Si tu as la sainteté, tu auras l'onction. Et si tu as l'onction, tu auras l'odeur de Christ. Tu auras l'odeur de Christ. Tu vas impacter un endroit où tu n'es jamais arrivé. Osate Moza. Mais la solo nao. Rien que par l'odeur. Voici maintenant. Yokasika. Lorsque tu as l'onction, Yambozo n'est pas quoi. Fais attention. Keba. Aux mouches. Keba. Nanzinzi. Aux mouches mortes. Keba na banzinzo basi bakufa. Ah. Il est le prince des mouches. Azamo konzi ya banzinzi. Mais Ecclésiaste 10 verset 1 dit. Mais Ecclésiaste 10 verset 1 le biboye. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Pour dire ceci, tu peux avoir l'onction, mais si seulement une mouche morte tombe dans ton huile, il va pourrir dans ton huile et il va déclencher la fermentation. Et l'odeur de l'huile sera perdue. Et la qualité de l'huile sera perdue. Tout ce qui était précieux sera perdu par une mouche morte. C'est-à-dire une grande quantité d'huile peut être abîmée par une seule petite mouche morte. C'est pourquoi la Bible dit un peu de folie, pas beaucoup, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Quand tu as l'onction, fais attention aux mouches mortes. Tu vois une mouche quand elle est vivante, on la suit parce qu'elle dérange. Mais quand elle est morte, ça ne te dit rien. Elle est négligeable. Mais ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'elle ne peut plus rien faire, car même sa mort a une puissance, la puissance de la putréfaction. Et bembate kufi et bembeza nguya poza na nguya solo mabe solo mabe aneko kangabino zolo peko kimisabino ndako mekufi meyo kimisabino mezolo bate mezo kumisa kubenga nabino po na kati na yango biloko zo po la ezape na nguya. Exact. A la capacité de putréfier l'huile. Voici. Et d'amener l'odeur. Vous qui avez l'onction, faites attention aux mouches mortes. Faites attention à Aï. 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 Tu peux vaincre Jéricho. Mais quand tu arrives devant la petite Aï, ça te fait tomber. Tu peux voir un grand judoka. Ceinture noire. Il tape tout le monde. Mais il glisse sur un savon. Mais caca, ça va mon cœur. Et il tombe. À quoi, Boukal? Il glisse sur une peau de banane. Il tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris au sérieux. Un adversaire fort, tu prends les gardes. Mais quand il est négligeable, tu es détendu. Alors que c'est là qu'il devient fort.
Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'onction, ne néglige pas les petites choses. Ne néglige même pas une pensée impure. Ne dis pas ce n'est qu'une pensée. C'est une mouche morte. Si tu négliges la pensée, elle va déclencher la parole. Si tu négliges la parole, elle va se transformer en action. Et tu vas détruire ta vie. Bet-Sheba existe toujours, mais tu ne vois pas Bet-Sheba parce que tu travailles. Le jour que tu cesses de travailler, tu vois Bet-Sheba. Ce n'est pas que tu l'as créé, tu l'as vu parce que tu ne fais rien. Le jour que tu vas tomber dans la distraction, alors tu verras des choses que tu ne voyais pas, mais qui étaient, mais tu ne les voyais pas tellement tu étais concentré sur ta destinée. C'est pourquoi lorsque tu as l'onction, reste une personne concentrée, sinon tu verras une mouche morte. Alléluia. Comme je l'ai dit à un de mes pasteurs hier, tu écris à une femme et tu lui dis je t'aime beaucoup. Tu ne l'as pas touché. Ce n'est pas ta femme. Rien que cet SMS là est capable de détruire toute ta vie. Un petit bisou avec quelqu'un qui ne t'a pas épousé. J'ai dit bisou parce que vous faites des bisous à des gens qui ne vous ont pas mariés. Bizarrement, vous les célibataires, vous les faites plus que nous les mariés. Rendez-nous nos choses. Oui, je vais parler. Vous venez ici, on vous tekite. Oh. Et là-bas, bisou. Azamu bali na yo. Azamu bali na obilo bo salana. Yes. Moi, je ne couche avec aucune femme. Mais un grand masturbateur. Masturbateur. Je te regarde. Masturbateur. Toi, tu ne couches pas avec les femmes. Toi, tu couches avec ton savon et ta main. Et pas l'ami. Yozoango, osanango nini. Aucun de six a maille na douche. Il y a résidu de zo. Nos socolités. Je te regarde parce que vous faites trop. Toi, tu ne couches pas. Yo, mais vous vous touchez. Mais vous vous touchez. Oh, cet homme qui te touche, t'es épousé. Cette femme que tu touches, tu l'as épousé. Toi, tu es devenu un mécanicien ou un gynécologue. Ah, je vous regarde. Non, t'as la bino. Je vous regarde. Non, t'as la bino. Les bababa chacun, on ne peut pas couler mes paroles. Bloni bosimba, bloni bososa, bloni bondima. Bon, perception ça les belle. Un pas de mouche morte. Dis-je que couvre mon cœur. Ça abîme ton onction. Et qu'on peut c'est pas comme inayo. Ça détruit ton onction. Une grande quantité d'onction n'est anéantie rien que par une mouche morte. Je connais un ami qui a perdu un don de parole de connaissance parce qu'il avait embrassé une fille. Alléluia. Amen. Voici à présent. Si tu vas avoir une grande onction. Souvent les gens attendent un grand secret de l'onction. Quand il vient te voir, pasteur, quel est le secret de ton onction? Il attend que tu lui dis j'ai pris 2 heures du temps comme un shaolais. Je mets la tête en bas et je soulève mes pieds en haut. Ma dimension. Ça, ce sont des dimensions. Il n'y a rien de cela. Voici le secret de l'onction. Aime la justice. Aime la haine de l'iniquité. Et Dieu te donnera l'onction supérieure. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 9, verset 5. Comme tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu,
t'a rendu une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voici le secret de l'onction supérieure. Haïr l'injustice. Aimer plutôt la justice. Haïr l'iniquité. Si tu aimes la justice, tu as la haine de l'iniquité. Tu auras l'onction supérieure. Si en ce lieu tu es un homme consacré vivant dans la sainteté, aimant Dieu, aimant ton prochain, haïssant le mal sur toutes ses formes, Dieu te promet de te donner une onction supérieure. Une onction supérieure. Une onction supérieure. Une onction au-dessus des onctions. C'est-à-dire que parmi tes semblables, tu ne seras pas semblable. Car ce qui différencie les hommes sur la terre, ce n'est pas leur visage, mais c'est l'onction. Mais c'est l'onction. Et je t'assure ce soir, je te le dis, je te le dis, si ce soir tu aimes la justice et tu as la haine de l'iniquité, tu crois en Jésus Christ, tu recevras sur toi une onction supérieure. L'Esprit de Dieu me dit de dire quelque chose. Il y a des gens qui viennent à l'église dans un spectacle. Et tu vois, quand tu regardes un spectacle, tu n'es pas compté parmi les acteurs du spectacle, alors tu n'y entres pas. Quand tu viens regarder un film, tu n'entres pas dans l'écran. Et quand tu viens à l'église, comme si tu viens à un théâtre ou à un film, tu vas t'arrêter d'être un spectateur et jamais tu vas entrer dedans. Mais ici, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un film. Donc tu peux faire partie du décor. Ça veut dire quoi? Les choses que je prêche, tu peux entrer dedans. Ces choses que j'annonce, tu peux les vivre aujourd'hui. Ces choses que je prêche, tu peux le recevoir. Tu peux entrer dans le film. Lorsque Jésus marchait à Jérusalem, on pensait que le décor n'était fait que des apôtres. Mais un homme a crié: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Le film s'est arrêté parce que ce n'était pas un film. Et Jésus lui a dit: vois, et il est entré dans le décor. Frères et sœurs, tu peux entrer dans ces choses, dans la sainteté et dans l'onction. Tu peux te laver. Car jamais Naomi ne peut demander à Ruth de se laver sans lui donner l'eau. Et jamais Dieu ne peut te dire de te sanctifier sans te donner la parole, sans te donner le sang de Jésus, sans te donner le Saint-Esprit. Il ne peut jamais te demander des choses qui sont élevées au-dessus de tes forces. Et il ne peut jamais te dire de te oindre s'il n'a pas pourvu à l'onction. Tout est disponible. C'est à toi de prendre. C'est à toi de prendre. Et je te dis, si tu as la foi, tu prendras et ta vie changera. Alléluia. Souvent les cultes des églises sont comment? C'est comme des fêtes dans lesquelles on a beaucoup préparé, mais les gens sont venus déjà rassasiés. Ainsi la nourriture reste et le servant rentre avec à la maison. Il en est de même dans l'église. La parole qui est prêchée, elle est prêchée pour toi, mais tu dis l'autre mangera. Non, il y en a assez pour tout le monde. Ce soir, je suis venu afin que Dieu m'utilise pour qu'un homme puisse entrer dans une onction supérieure et pour qu'un homme puisse se laver
asokola et puisse être roi. Et puis à pakola mafuta afin que sa destinée arrive. Votre destinée na yekoma. Ruth, tu n'es pas que Moabite. Osaka ka Moabite tiens. Tu es une juive. Osa juive. Cachée dans une Moabite. O bata mikati na Moabite. C'est que tu es pour l'instant. Oyo za lelo. N'est que la coquille du véritable toi. Esa coquille oyo solo za. Si là tu vas te débarrasser de la Moabite. Gongomoka mukia ko tika Moabite. Pour entrer en Israël. O kota na Israël. Et pour donner à Israël. O pesa Israël. C'est que l'Éternel avait promis à Abraham. Oyo ya wa prometa ki Abraham. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. La première chose que je demande ce soir, j'invite tous ceux qui veulent se laver. Viens devant. Toi qui veux te laver. Viens devant. Viens devant. Tu veux te laver. Olingi osokola. Tu veux te laver par la parole. Nanzela na liloba. Par le sang de Jésus. Nanzela na makila na Yesu. Tu veux te repentir de tes péchés. Okoki pe ko senga bolimbisi na masumu na. Tu veux abandonner le mal. Ondimi otika mabe. Sur toutes ses formes. Nanzela na ngonyoso. Tu es fatigué du péché. Olembi mabe. Le péché est en train de bloquer ta destinée. Lisumu ezokanga bolobi na yo. Et aujourd'hui tu prends la décision. Mais lelo osui ekateli. Viens. Yaka. Viens. Yaka. Sans cela, tu ne peux pas recevoir l'huile. Sinon, l'huile va faire une couche de saleté. Approche-toi. Avec la décision de changer. De changer de température. Avec la décision d'enlever tes mauvais vêtements pour porter les vêtements de la sainteté. Et même si le savon va te faire mal à tes plaies, décide de pardonner. Sans le pardon, Dieu ne peut pas te oindre. Prions au nom de Jésus. Prions.